Nous voici au quatrième dimanche de l'Avent. Dans quelques jours, nous fêterons Noël. Alors, quel mystère devons-nous contempler dans l'enfant de la crèche? Mystère signifie quelque chose de caché qui nous est révélé, dévoilé. Vous savez que Dieu est créateur, il est incréé, mais c'est lui qui a donné naissance à toute chose en ce monde, à chacun d'entre nous. À travers les prophètes, nous savons que la deuxième personne de la Trinité, la parole de Dieu, le Verbe, s'est manifestée notamment à travers le prophète Isaïe, que nous entendons pendant le temps de l'Avent, mais aussi à travers le prophète Moïse, le plus grand des prophètes, dont Jésus dira aux pharisiens, « Si vous croyez en sa parole, vous croiriez aussi en moi, car c'est de moi qu'il a écrit. » Et bien là, à travers le mystère de Noël, c'est le Verbe incréé qui prend notre nature humaine en prenant chair dans le corps de la Vierge Marie. Il est vrai homme et vrai Dieu. Peut-être que nos contemporains et nous-mêmes aujourd'hui ne mesurons pas suffisamment combien Dieu, dans sa bonté, puisque toute sa création est bonté, beauté, a voulu nous associer à son projet divin. En accueillant son Fils, nous prenons part dans notre humanité à sa divinité. Le mot crèche signifie mangeoire, crypio en latin. Eh bien, Dieu ira se donner à nous par son corps et son sang. Jésus dira en Saint Jean, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Eh bien, ayons cette simplicité, en ce jour de Noël, d'accueillir comme Marie le don de Dieu. Laissons-nous transformer, accueillons sa paix, sa joie, ayons un cœur dilaté, dira Saint Benoît dans sa règle, afin que nous puissions témoigner dans ce monde que Dieu nous aime, que Dieu veut nous conduire jusqu'à lui, par son Fils, en nous donnant son Esprit Saint. Soyons heureux d'être croyants et donnons à nos contemporains cette belle espérance d'être conduits jusque dans la vie éternelle. Je vous souhaite un joyeux Noël à tous.